Elle a été l'une des candidates emblématiques de l'émission Loft Story. Présente durant la saison 2 de l'émission, Sandra Colombé était alors connue comme la chiotte nénette du groupe, qui chantait à tue-tête My Heart Will Go On de Céline Dion, agaçant parfois ses camarades de chambre médiatique. Aujourd'hui, la jeune femme a bien évolué et est devenue une mère de famille un peu hors norme, étant donné qu'elle est à la tête de pas moins de 8 enfants. Sur son Instagram, à l'instar d'autres mères de famille nombreuses, l'ex-candidate de télé-réalité n'hésite pas à abreuver ses followers de photos et vidéos de son quotidien en compagnie de cette grande famille ou d'instants adorables où ses petits prennent la pause ou vivent des moments mignons en compagnie de leurs frères et sœurs. Dans cette grande famille où se côtoient des adolescents avec des bambins qui vont jusqu'à un peu moins d'un an, l'ambiance est toujours présente et l'énergie ne manque pas, comme le prouve ce montage partagé il y a quelques semaines sur Instagram par la mère de famille. Loft Story, 20 ans, que deviennent les candidats? Sandra Colombé, cet accouchement inattendu à quelques heures d'un grand moment. La candidate avait également fait parler d'elle lors de la naissance de son 8e enfant, en juillet 2022. Alors qu'elle devait recevoir la médaille de la famille à Nancel-la-Cour dans l'Aisne, une récompense venant honorer les familles nombreuses, la jeune femme a été prise de contractions au milieu de la nuit, la veille de cette remise. Auprès du journal quotidien régional Le Courrier Picard, son compagnon Stéphane Chesinski a raconté le déroulé des événements. Sandra a senti les premières contractions vers 3h du matin et nous sommes partis à la maternité de Fourmies. Le petit est né en fin de matinée et il se porte à merveille. De son côté, celle qui venait de redevenir une jeune maman avait confié, « Si est-il un grand honneur de recevoir cette médaille. J'ai toujours aimé les familles nombreuses alors qu'elle suivait la cérémonie à distance, remplacée au pied levé par son compagnon. Une récompense qu'indéniablement personne ne peut lui enlever. Crédit photo, agence. »